Fontbleu, maintenant, nous sommes 8. C'est une association qui a été créée en 2016, depuis 3 ans la création des Fontbleu. On nettoie régulièrement, une fois par semaine, toutes les zones de baignade d'Antibes. Et voilà, tout simplement, on est une bande de bénévoles, hein. Maintenant on est 8. Et on fait tous les mardis, on plonge et on nettoie une fois par semaine au moins les zones de baignade d'Antibes. Ça part de la Gravette, le Ponteil, la Garoupe. Et la baie de Jean-Lépin qui est malheureusement la plus touchée. Dans le cadre des initiatives Océane, programme de Surf Rider Foundation Europe pour résoudre la problématique des déchets aquatiques, ce premier vendredi de septembre était organisée une opération de nettoyage du sentier littoral de Tirepoil, ou chemin des contrebandiers, au Cap d'Antibes. Alors ça n'a aucun lien avec une actualité récente, c'est simplement un signe distinctif qui nous permet de bien cibler et de voir à distance les différents participants. C'est un moyen sécuritaire de les avoir à portée de vue. Pour la sensibilisation auprès des scolaires, la classe de 6e du collège de La Fontaine apportait aussi sa contribution. C'est très important d'abord que vous, à votre âge, vous soyez sensibilisés. Les mégots de cigarettes sont consciencieusement ramassés et mis dans des bouteilles plastiques afin de les recenser. La quantité collectée est effrayante, quand on sait qu'un seul mégot suffit à contaminer 500 litres d'eau. Des opérations de sensibilisation sont périodiquement réalisées. On organise ça dans le cadre du nettoyage de la totalité du sentier et du littoral. C'est des opérations qu'on mène chaque année ici sur le site et sur d'autres sites antibois. Et en général, après saison, on aime bien faire celle-ci parce qu'on sait qu'entre les touristes, entre le courant ligure qui ramène du déchet de manière régulière et le passage régulier des gens, on retrouve du déchet et le site en a besoin. Parallèlement au nettoyage du sentier, le nettoyage sous l'eau continue et les déchets sont nombreux, particulièrement des pneus dont on ne se doutait pas de la nocivité à l'époque et qui étaient utilisés par les plaisanciers pour en faire des corps morts. Et deux, trois merdes avec. Mais ouais, mais... Enfin, un ensemble de merdes, comme d'hab. Hein. J'ai pas... Cette belle journée, riche d'enseignements pour sauvegarder notre patrimoine commun, aura été profitable pour tous. Thank you.